l'ensemble de la classe d'orchestre se joint à moi pour vous souhaiter en tout cas une excellente année, en espérant qu'elle se déroule sous de meilleurs jours que ces derniers jours en tout cas. Et ça sera votre petit clin d'œil à nous, musical, à Charlie aussi, pourquoi pas, puisque de toute façon, nous sommes tous solidaires. Et la musique, évidemment, comme elle dit, adoucit les mœurs. Voilà, c'est important. Je vous souhaite une excellente soirée. Cette minute de silence, elle est aussi symbolique tout au long de l'année, dans des manifestations patriotiques, où des Français, de couleurs différentes, je vous rappelle qu'on avait aussi dans le temps des départements, on en a encore, il n'y avait pas de couleur, il n'y avait pas de racisme, ils étaient tous à égalité avant de monter aux tranchées. Alors pour tous ces gens qui ont perdu la vie, qui ont mis le malheur dans leur famille, je souhaite que vous respectiez encore une minute de silence. Je t'ai déjà levé, puis après j'ai respiré. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les adjoints, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, mesdames et messieurs, la semaine dernière, après l'Autriche, les États-Unis, l'Espagne, la Norvège, des événements d'une gravité extrême ont eu lieu dans notre pays. Des journalistes, dont des dessinateurs de Charlie Hebdo, et des otages ont été froidement assassinés par des terroristes lourdement armés. Pour les uns, c'est la liberté d'expression qui a été bafouée. Pour les autres, c'est d'avoir été au mauvais endroit au mauvais moment. Je ne voudrais pas oublier ces représentants des forces de l'ordre sauvagement tués alors qu'ils faisaient tout simplement leur travail de protection des hommes libres. Notre République, notre démocratie était en danger. Notre liberté s'est trouvée menacée. La laïcité a été touchée. La France, pays des droits de l'homme, avait basculé dans l'indescriptible. Notre pays a accueilli au cours de son histoire et continue encore aujourd'hui de recevoir des étrangers qui ne demandent qu'à vivre libre dans un pays libre, ce qui n'est nullement le cas des régions ou des pays d'où ils viennent, où règnent les exactions, les sévices, les disparitions, les exécutions dont ils sont les premières victimes. Un mouvement de révolte d'une ampleur sans précédent de tous les Français, quelle que soit leur origine, leur religion, leur appartenance à tel ou tel mouvement, s'est produit pour crier haut et fort que ces sinistres individus n'ont pas droit de citer dans notre pays. Il faut montrer que nous ne les craignons pas, que la liberté dont nous jouissons est sacrée, que nous sommes un peuple avec une histoire si riche en événements, leur montrer que les citoyens que nous sommes sont bien résolus à les poursuivre implacablement pour les éliminer par tous les moyens. Au nom du monde associatif, permettez-moi de vous présenter tous nos vœux pour la nouvelle année. Vœux de bonne santé d'abord pour vous-même et vos familles. Vœux de bonne année ensuite pour la conduite des affaires de la commune. Malgré les contraintes budgétaires qui obligent toutes les communes à faire de gros efforts pour continuer à améliorer le cadre de vie de leurs concitoyens, nous savons qu'avant d'être vieille, tous les efforts sont faits pour poursuivre la transformation de la ville, pour améliorer le bien-être de ses habitants, pour qu'ils vivent dans les meilleures conditions possibles. Continuez, monsieur le maire, à assister de votre équipe municipale dans la voie que vous vous êtes tracée. Vendelvieille a déjà bien changé depuis des années, se transforme encore aujourd'hui et continuera demain, ce dont nous ne doutons pas, dans le seul objectif de se sentir bien à Vendin. D'ailleurs, si la population s'accroît, c'est qu'on y est bien accueilli. Présentation des vœux au nom du personnel enseignant par monsieur l'inspecteur de l'académie et l'ensemble des directeurs d'école de Vendelvieille. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, chers enfants, c'est ensemble que nous venons vous présenter nos meilleurs vœux pour cette année. Un début d'année marqué par l'attentat meurtrier contre l'hebdomadaire Charlie Hebdo qui a atteint notre République au cœur. Les valeurs essentielles de notre République ont été visées.
La liberté d'expression est au fondement de toutes les libertés. La liberté de conscience et le respect des opinions individuelles sont les principes qui nous permettent de vivre ensemble. La République a confié à l'école, dès son origine, la mission de former les citoyens, de transmettre les valeurs fondamentales de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité. L'école de la République transmet aux élèves une culture commune de la tolérance mutuelle et du respect. Chaque élève y apprend à refuser l'intolérance, la haine, le racisme et la violence sous toutes leurs formes. L'école éduque à la liberté. La liberté de conscience, d'expression et de choix du sens que chacun donne à sa vie. L'ouverture aux autres et la tolérance réciproque. L'école éduque à l'égalité et à la fraternité en enseignant aux élèves qu'ils sont tous égaux. Elle leur permet d'en faire l'expérience en les accueillant tous sans aucune discrimination. La quatrième semaine du respect de la tolérance, initiative de la circonscription de Vendée-le-Vieille, a eu lieu cette année, du mercredi 12 au mercredi 19 novembre 2014. Elle a permis des temps forts autour de dates emblématiques. La journée de la tolérance, la journée des droits de l'homme, la journée des droits de l'enfant. Il y a eu des débats, des expositions, des projections qui contribuent à faire vivre les valeurs de l'école qui sont celles de notre école laïque et gratuite. Ces temps forts ne sont que des coups de projecteur sur nos missions éducatives. L'instruction civique et morale se fait tout au long de l'année, dans toutes les classes, dès la maternelle, première école de l'enfant élève. Des débats à visée philosophique permettent aux enfants de s'exprimer. L'enseignement démocratique ne peut se limiter ni à la transmission des savoirs, l'instruction, ni à l'inculcation d'habitudes, l'éducation. Même si cette transmission, cette inculcation reste des nécessités, l'enfant doit aussi apprendre à s'investir personnellement dans le domaine de la réflexion raisonnée. L'enseignant aide les uns et les autres à étayer et à défendre leurs idées. C'est en décortiquant ce qui justifie les propos que l'on tient que l'on prend conscience de ses propos. Dans notre société, il n'est évident pour personne d'oser s'exprimer. Cela nécessite d'avoir confiance aux autres. Cela nécessite de ne pas avoir à subir le jugement de la personne d'autorité. Cette confiance ne va pas de soi, d'emblée. Le rôle et la posture de l'adulte est primordial, et ce, à tout moment, quel que soit ce qui est exprimé. Nous travaillons sur un meilleur climat scolaire. Nous aspirons, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs, à ce que 2015 soit une année où les tensions relationnelles entre les élèves, entre les enseignants, parfois avec les partenaires, s'améliorent, et ce, pour une meilleure compréhension des enjeux de l'école. Il ne suffit pas de faire écrire la définition de notre devise républicaine pour comprendre le sens des mots. À l'école, on apprend à lire, dire, écrire, compter, avec l'aide de manuels et d'écrans. Mais pas seulement. 2015 sera l'année de l'enseignement moral et civique. Cet enseignement a pour objectif la transmission d'un socle de valeurs communes, la dignité, la liberté, l'égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité, la laïcité. Quand on lève les yeux, on regarde tous le même ciel. L'école, Charlie, la liberté passe par l'expression. L'expression par les images, l'expression par les mots. Présentation des vœux de la municipalité par M. Didier Yen, conseiller général, vice-président du conseil général, maire de Vendée-le-Vieille. Merci bien. Bien, mesdames et messieurs, je voudrais tout d'abord remercier l'orchestre de l'école de musique. Vous avez vu, ils sont tous jeunes. Ils ont commencé il y a très peu de temps et ils sont déjà en progrès. Donc je voudrais féliciter Luc Delosien, qui s'en occupe, et particulièrement notre directeur, Philippe Cousin. Cette année encore, vous êtes nombreux pour cette cérémonie des vœux, moment privilégié s'il en est,
mais aussi tant de convivialité et de rencontres. Le dynamisme d'une ville se mesure à celui des associations. La vie associative dans notre commune se révèle d'une grande richesse et d'une grande diversité, de par les activités proposées, que ce soit dans le domaine social, culturel ou sportif. C'est un atout essentiel pour la population qui désire s'y installer. Grâce à vos actions, Vordain n'est pas une simple agglomération d'hommes et d'équipements. C'est un état d'esprit, une grande richesse qui génère le bien vivre ensemble, la solidarité, la qualité du lien social, qui tisse quotidiennement la convivialité, la proximité et cette appartenance à la ville qui fait que chaque habitant se sent un véritable citoyen dans la commune. En 2015, parmi tous les projets, les quatre les plus importants à la JADOS sont l'étude de la réfection des toitures des écoles primaires, Jules Ferry, la création de sanitaires à l'école primaire Jean Jaurès, la construction d'un couloir de désenclavement à l'école maternelle Jules Ferry, le changement de porte-fenêtre, l'abaissement des plafonds et la rénovation de l'ancien dispensaire, et c'est ce qui est au bout de la cour, près de l'école maternelle Jules Ferry, actuellement utilisée par les TAP. Nous avons décidé de maintenir une politique d'investissement forte, indispensable au développement économique, source d'emploi, et ceci sans augmenter les impôts locaux. Dans un autre domaine, attentif à la sécurité, aux dangers de circulation, aux zones accidentogènes, les commissions travaillent à l'aménagement et à la sécurisation des voiries et des axes routiers. Remercier mon conseil municipal, au complet, qui travaille avec conviction pour le bien-être de tous. L'ampleur de nos projets montre leur engagement. J'espère qu'il servira de modèle au conseil municipal jeune que nous allons mettre en place. Malgré des perspectives assez difficiles, ensemble, nous maintiendrons notre engagement et le niveau de qualité important des services publics pour le développement de notre ville. Merci à vous, mesdames et messieurs ici présents, partenaires ou amis de la ville, pour votre présence. Merci à mes collègues élus et à leurs collaborateurs, ceux présents et excusés, retenus par ailleurs, pour l'aide et l'amitié qu'ils m'apportent. Je vous souhaite sincèrement une belle année 2015, une année d'épanouissement dans votre vie personnelle, professionnelle, associative, culturelle et sportive. Bonne année à tous.